soit des salariés qui sont partis, qui avaient d'autres projets avec 2 mois de salaire par année d'ancienneté, soit aujourd'hui vous avez toujours 120 salariés dans l'entreprise qui depuis 2 ans sont payés intégralement alors que l'hôtel est fermé. Voilà. Donc c'est ça la force. Salut à toutes et à tous. Donc je parle au nom du nouveau Parti Anticapitaliste et évidemment on apporte tout notre soutien et notre solidarité à votre mouvement. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on voit ce que vous faites, comment vous le faites, eh bien, ça file la pêche et puis c'est un sacré exemple aujourd'hui dans une situation où on voit bien toute la résignation qu'il y a, où on n'ose même plus revendiquer, on n'ose même plus se défendre, tellement on est broyé ou tellement on est écrasé. Donc voilà, ça fait beaucoup de bien. Et d'autant plus qu'on voit que c'est en plus des gens plutôt invisibles d'habitude, hein, dont on n'entend jamais parler, ceux qui sont exploités, surexploités. En plus, vous bossez dans des endroits où c'est plutôt des gens fortunés qui vivent. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très bien tout ça. Et la question qui est posée, c'est votre lutte, mais comment on peut donner envie aussi à d'autres de se battre tous ensemble dans votre chaîne à vous, hein, là, dans les hôtels de luxe, mais un peu partout, comment on arrive à faire face à l'arrogance patronale, l'offensive patronale, à toutes ces attaques gouvernementales, où on voit que tout est remis en cause aujourd'hui. Donc on a intérêt à relever la tête, à s'appuyer sur ce que vous faites, sur ce que d'autres font, et comment, en fait, le problème qui est posé, c'est ça, c'est la riposte unitaire large, l'ensemble de la population. Et je vais finir en parlant de la chemise qui a été déchirée il y a quelques jours à l'UDRH. Je suis un mais je ne dis pas qu'il faut que vous déchiriez la chemise de Merci. Mais bon, c'est pour dire que la véritable violence, on sait de quel côté elle est, hein, du côté de ceux qui licencient, du côté de ceux qui sont exploités, qui méprisent et qui écrasent. Et donc, il ne faut pas que nous on hésite, il faut qu'on se sente légitime, il faut qu'on se révolte, il faut qu'on se mette en colère. Et ça sera autre chose que des chimistes qu'on déchirera demain. Mais bon, c'est tout ça la perspective qu'on a, c'est vraiment de préparer la révolte contre ce système qui est pourri. Voilà, donc bon courage, tenez bon.